Je lui promis de lui rendre ce petit léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une petite promenade pour moi. Son domaine se trouvait situé à Saint-Cleu, environ de Rouen. J'en avais pour une heure de cheval. À 10h le lendemain, j'étais chez lui. Nous déjeunâmes en tête à tête, mais il ne prononça pas 20 paroles. Il me pria de l'excuser, la pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre, où gisait son bonheur, le pouvait, le bouleversait, me disait-il. Montrez-moi l'escalier, laissez-moi seule, je la trouverai bien sans vous. Mais, monsieur, cependant... Cette fois, je m'emportais tout à fait. Maintenant taisez-vous, n'est-ce pas? Vous aurez affaire à moi. Je l'écarta violemment, et je pénétrai dans la maison.